Salut à tous, c'est le Gratteur Fou. Mais là, je m'attaque au jeu Happy Ape. Donc, certes, les précédentes parties ont été vraiment très très chanceuses. Là, actuellement, il y a une super balance. Donc, espérons que je puisse tomber sur une série de machines à sous payantes. Mais bon, ça va pas être évident. C'est pile ou face. Des fois, ça gagne, des fois, ça perd. Donc, on va voir. Alors, on va pouvoir quand même enquiller des mises maxi car la balance est assez costaud. Le problème, c'est que si je paye que dalle, ça va bien bouffer une partie de tout ça. Alors, mise maxi 75, on y va. Alors, 375 l'entrée. Ouais, c'est l'éternel problème avec les machines à sous. Des fois, on tombe sur des jeux qui payent, des fois, il y en a qui payent que dalle. C'est pas évident de tomber que sur des jeux qui payent. Là, c'est plutôt rare. Ça relèverait même du miracle. Ou un truc du genre, ce serait pas mal. Ça paraît évident, pas trop longtemps. Alors, une seule clé, qu'est-ce qu'il va nous filer? Pour le moment, pas grand chose. Alors, le problème, c'est que le pas grand chose risque de durer éventuellement un long moment. Bon, je vais quand même tenter de pousser la partie, voir si c'est du big win ou si les frispins apparaissent. Bon, ça peut éventuellement prendre une plombe. Ah, les jokers aléatoires, ah, ils sont pas top. Alors, si ça continue, on va paumer le chiffre 2. Ah, les jokers aléatoires, où est-ce qu'il va les placer? Ils sont pas très bien placés non plus. Alors 450 ici. Ok, il y a encore un petit peu de marge avant de perdre le chiffre 2, mais... Avec des spins à 75 balles, ça va peut-être vite, vite arriver. Alors, s'il y avait moyen que ce jeu racle un gros big win, qu'on puisse se barrer sur un autre jeu. Et ouais, à ce niveau-là, il n'y a aucune garantie. Pour le bonus. Alors, on va dire au revoir au chiffre 2, en espérant pouvoir le retrouver dans pas trop longtemps. Ça, c'est pas garanti. De toute façon, je suis parti en mode je lâche rien, big win ou free spin. Bon, s'il n'y a rien de tout ça, tant pis.
Ah, 625, ok. Bon, mise maxi 75 balles, c'est pas des spins à 100 ou 150 balles, mais quand même, la balance, on subit les conséquences. Ok, 18, 498. Voilà, toujours pareil, il manque un troisième symbole pour le bonus. Qu'est-ce qui va nous sortir? Ok, dommage pour le rouleau 4. On va ce qu'il va faire mieux. On va être toujours pareil, le rouleau 4 où il manquait un symbole pour faire une lignée complète. Alors 18253, chiffre 18 qui va bientôt se transformer en chiffre 17, j'imagine. Une tête, toujours pareil, manquait la troisième. Sur ce jeu, sur de précédentes parties, j'ai déjà fait des énormes big wins, mais bon, c'est faut être réaliste, c'est plutôt très très rare. Alors 1713, on va passer sur un chiffre 16 bientôt. Le jeu, il a toujours pas raqué de big win, pas de bonus, rien. Bon, ben heureusement que c'est pas des mises maxi à 150 balles, car j'aurais été tenté de jouer en mise maxi et là ça aurait été encore pire au niveau de la balance. Alors pas de big win, pas de tristoun, pas de bonus, rien. Alors est-ce qu'il va me sortir deux têtes, deux scatters? Et voilà, enfin il était temps.
il les a enfin ratés, il est déjà. Bon, après ça, c'est arrêt de partie direct, donc on va voir combien ça va rater. C'est ça, c'est changement de jeu. Alors, on va mater tout ça. Au niveau de la balance, 16 643. Je vais les petites tartes quand même. Alors, win 135, 9 free games de restante. Il faudrait quand même que le jeu nous ponde un big win lors de cette partie, parce que sinon on va être mal barré. Alors, total win 285, 7 free games de restante. Ah, 5 clés. Allez, du petit joker. Ah bah big win, il était temps qu'il en raque. Alors j'espère qu'il va être bien big. Ah bah quand même, chiffre 5, est-ce qu'on arrive au chiffre 6? Oui. Ouf, soulagé, hein, parce que là quand même... Ah bah 8100 balles, ok. Et voilà, 24000 balles. Bah là c'est un petit peu mieux. Alors 6 free games de restante. Ouf, soulagé. Du coup, bénéf, j'avais commencé à 21 788. Ça fait un joli bénéf, chiffre 24. Et là, franchement, c'est free games pour aller les chercher. Ça va coûter quand même cher. Bon, heureusement qu'on a eu un big win, heureusement, parce que sinon, ça aurait été une perte. Ouf, allez, dernière free game. Allez, 60 balles sur le dernier win. Bon, ben quand même, 8820, ben, on s'en sort plus que bien. Allez, chiffre 25, mission accomplie, bénéfice réalisé, donc direction notre jeu. Espérons tomber sur un jeu chanceux qui éventuellement propulse la balance avec un chiffre 3 en début de numéro. Enfin, que ça puisse passer de 25 000 à 30 000. Enfin, on va voir. On va aller tester ça. Quand même, là, c'était un sacré coup de bol. Coup de bol chanceux. Allez, next, j'enchaîne sur la machine à sous Mystic Fortune. Donc ça, c'est un jeu que j'ai pas testé très souvent. Enfin, on va voir. Après tout, ça reste une machine à sous comme une autre. Des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Alors, mise maxi, 125 balles. Là, ça pique un peu. Hop. Petit rappel des règles, escater. 15 free games, on a 3 symboles comme ça ou plus. 10 free games supplémentaires. Allez, c'est parti, on y va. Mise maxi à 125. Donc espérons que le jeu ira quelque chose dans pas trop longtemps. Allez, un petit troisième d'entrée, ce serait miraculeux. Eh ben non, gratteur fou, un leurre dans ta face, 125 de win. Alors j'espère pouvoir me rapprocher du chiffre 3 au niveau de la balance, mais bon. On dirait qu'en début de partie, on va se rapprocher plutôt du chiffre 1. On n'avait pas le bon symbole. Alors si je pouvais avoir pas grande chance, les free spins assez rapidement en début de partie, des fois ça arrive, mais retour à la réalité, c'est quand même plutôt rare. Autant des fois les free spins ils sortent très rapidement, autant d'autres fois il faut jouer pendant une plombe avant qu'ils apparaissent. Allez, le troisième qui est pas là. Eh ben non, il est pas là. Alors 23 893. Comme je disais en début de partie, plutôt que de m'approcher du chiffre 3, je m'approche du chiffre 1.
Et ouais, parce que là, si le jeu il paye que dalle pendant du plomb avec des mises à 125, bonjour les dégâts au niveau de la balance. Allez, hop. Alors 22 418. Bon bah les pronos, j'imagine que je vais perdre le chiffre 2, que ça va basculer sur un chiffre en début de balance avant que les éventuels free spins se manifestent. Ou à défaut des free spins un éventuel big win, mais bon c'est qui dit big win ou free spin, c'est plutôt rare. Le troisième. Comme par hasard, il est pas là. Alors le chiffre 2, j'imagine qu'il y en a pour pas trop longtemps avant qu'il se transforme en chiffre 1. Ouais, je pense que même ça va être très rapide. Hop, chiffre 1 dans quelques spins. Et voilà, on y est. Dommage, dommage. Mais ouais, c'est l'éternel problème des machines à sous. Des fois ça paye, des fois ça paye pas. Donc pour le long terme, on sait très bien que ça paye plus pour le casino que plutôt que pour les joueurs. Allez, arrêt de rouleau. Hop, rien du tout. Alors, est-ce qu'on va faire comme la partie précédente, une redescente avant de faire une belle remontée? C'est vrai que quand même, le jeu précédent, le Happy Ape, il a fallu jouer pendant une plombe avant que les free spins se manifestent. Alors là, apparemment, on se tape le même scénario, mais bon, est-ce que les free spins vont être aussi payants? Si bien sûr, ils sortent. Allez, chiffre 17. Ok, bon, mais je vais quand même pas lâcher l'affaire, je vais poursuivre la partie, mais bon, là, ça se demandait jusqu'où ça va dégringoler à ce niveau-là, au niveau de la balance. Alors, toujours les deux scatters, le troisième qu'on attend avec impatience. Et encore, même des fois les free spins avec ce genre de jeu, même en mise maxi, des fois ça paye pas grand chose.
Des fois, c'est quand même assez trompeur. On pense qu'on va éventuellement gagner pas mal grâce aux hautes mises, mais des fois, ça file que des cacahuètes. Alors, chiffre 16, bientôt le chiffre 15. J'avais quand même commencé à plus de 25 000 balles, donc c'est clair que ça fait une énorme perte pour le moment. Allez, free spin, free spin, arrêt de rouleau manuel. Un petit arrêt magique avec les 3 scatters. Alors jusqu'à où ça va dégringoler? 15, 14, 13, 12, 11, allez savoir. Bon bah dire que des fois je me tape des séries des jeux de machines à sous qui filent des free spins d'entrée. Là ça aurait été joli sur cette machine à sous, commencer à 25 000 balles d'entrée les free spins, ça aurait été plus que sympa, mais bon, retour à la réalité. Pas facile de les décrocher quand même. Allez, arrêt de rouleau. Hop, on n'a pas eu le troisième. Et ouais, le problème, je suis pas décidé à lâcher l'affaire tant qu'il n'y a pas de big win ou free spin. Je vais poursuivre la partie en mise maxi, donc on ne sait pas jusqu'à où ça va durer. Voilà, chiffre 14 qui va se transformer en chiffre 13. Et voilà, ça y en y est. Alors, en dessous le chiffre 13, il y a le chiffre 12, on va pas tarder à y arriver. Et voilà, chiffre 12. Alors la suite, chiffre 11 ou pas chiffre 11. Alors 0 free spin, 0 big win. Égale grosse torchade pour le moment. C'est quand même dommage de cramer le bénéf des précédents jeux, mais bon, c'est la règle. Quand ça paye pas, ça paye pas. Alors, on attend toujours les 3 scatters. Alors, rouleau 4. Hop, on a eu celui-là, rouleau 5, on n'a rien eu. Ni celui-là en triple exemplaire, ni celui-là. Bon ben, je pense même que j'ai paumé la balance à 5 chiffres, qu'on va passer en dessous de la barre des 10 000. Alors, on va passer en mode énervé, arrêt de rouleau manuel. Je crois que c'est pour bientôt que la balance à 5 chiffres va se barrer. Retour sur une balance à 4 chiffres, ça c'est pas très avantageux. Alors que faire? Baisser les mises, tenter encore les mises maxi. Bon, bah, tant que j'y suis, je vais rester sur des mises à 125.
Bon, bah, apparemment, mauvais choix de machine à sous. Bon, ce qui est un petit peu logique, hein, car en tant que joueur, on peut pas tomber tout le temps sur des jeux qui sont payants lors des parties. Et voilà, RIP, la balance à 5 chiffres. Alors, on va quand même pas terminer à 0. Quoique. Alors, Red Rouleau, pas de troisième, pas de troisième. Alors, Win à 730 quand même. Bon, belle Mystique Fortune. Je pense pas que je le retesterai sous peu. Alors, Chasseau Scatter. Se faire défoncer la balance pour le moment. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Allez, la série de spin perdant qui va bien. Ok, 7000 balles là. Ça commence à être plus qu'inquiétant. Alors, toujours décidé à pas lâcher l'affaire, mais. Ça serait un peu abusé de terminer à 0, de commencer avec une balance de 25 000 balles et terminer à 0. Bon, avec les mises maxi, c'est éventuellement ce qui peut se passer. Alors, quand est-ce qu'il va nous pendre les 3 scatters, un big win, un truc? Parce que là, pour le moment, torché par la fortune mystique. La fortune mystique pour le casino. Encore là, c'est à peu près 20 000 balles de paumé, donc même si les free spins sortent, c'est pas garanti qu'ils vont raquer 20 000 balles. Alors 430 ici. Alors, est-ce que le troisième il va se manifester un jour? Eh ben non, que dalle. Alors, l'autre consolation à 985. Bon, ben là, je suis parti en mode je lâche pas l'affaire, mais. Retour à la réalité, le lâche pas l'affaire, ça coûte cher. Alors, chiffre 3, mauvais présage, mauvais présage. Que faire? Réduire un peu les mises. Bon, tant que j'y suis, on reste à 125, on va voir. À la guerre comme à la guerre. Bon,
Voilà, c'est clair que normalement je devrais baisser les mises vu ce qui reste dans la balance, mais bon. On va tenter de rester sur des mises à 125, ne sait-on jamais, peut-être le facteur chance il va se manifester dans un petit moment. Alors 850 balles. Allez, chiffre 2. Alors, arrêt de rouleau ou pas? Allez, arrêt de rouleau. On n'a pas eu le troisième, mais comment ça se fait? Étrange, étrange. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre pour cette vidéo? Défonçage de balance en mise maxi. Ah, il a toujours pas raqué. Alors, 1375. Ok, j'avais commencé à 25 000 balles, j'aurais peut-être pu me fixer une limite vers les 15 000, mais bon, j'ai voulu partir à la guerre comme à la guerre, donc voilà le résultat. Alors, l'option miracle, est-ce qu'elle va se manifester? Alors, 2283, 2353 avec ce petit win. Est-ce qu'on va atterrir au niveau du zéro universel? C'est fort possible. Et ouais, t'aurais pu raquer le troisième quand même depuis le temps. Ah! Eh ben, il était temps. Les petits rats, le troisième rat, il s'est manifesté. Alors là, on s'est fait éclater quand même la balance. Il y a plus de 20 000 balles à récupérer, donc c'est pas garanti qu'on puisse récupérer ça. Allez, 15 free games. Bon, on va voir comment ça va raquer. C'est quand même des mises maxi. Allez, le troisième. Le troisième, le troisième. Ah! Eh ben, il était temps, il était temps. Alors, j'espère qu'il va être bien big. 2940. Ouais, parce que là il y a un peu plus de 22 000 balles à récupérer, donc ça va être plus que mal barré. Allez, 22 free spin du coup. Peut-être un petit peu d'espoir. Alors, total win 4050 euros pour le moment. Alors, le prochain free spin. Allez, il en reste 20. Retrigger feature. Ok, si on peut avoir encore un retrigger, ce serait pas mal. Parce que là, avec la marge qu'on a récupérée. Allez, déconne pas, rack du big win, rack du big win. Ok, s'il si me file des spins perdants, là, c'est mal barré. 120, 4545. Alors, combien il reste de parties gratuites? 11 parties gratuites. Alors, est-ce qu'il va nous prendre un gros big win? On a de la sacrée marge à récupérer. Elle a un petit troisième, un petit retrigger. Allez, non, triple leurre dans ta face. Je sais même pas si je vais retrouver une balance à 5 chiffres après tout ça, alors il en reste 4.
Et ouais, satané chasse au free spin qui a coûté vraiment très très cher. Éventuellement, quand ça sort, ça rembourse pas les pertes. Alors 840, 2 free spin de restant. 225 ici, allez, le dernier. Dernier espoir. Une cacahuète sur le dernier. Alors 8663, c'est quand même bien fait éclater. Bien fait éclater de chez éclater la balance. Alors que faire? Ouais, bon là je ferai quand même un arrêt de partie, basculer sur un autre jeu. Voilà, quand même ça a coûté très très cher. Sacrée torchade. Mais bon, c'est le risque, surtout avec la mise maxi, ça peut pas tout le temps être généreux. Allez, direction notre jeu, espérons au moins retrouver une balance à 5 chiffres, mais ça va pas être évident, ce sera peut-être la descente vers le triple zéro. Allons, on va aller vérifier Allez, ça. next, je fais un retour sur la machine à sous long donateur, donc espérons que ça rate, car franchement, le précédent jeu, on s'est fait défoncer de chez défoncer la balance. Alors, on va voir si on peut avoir un renversement de situation avec ce jeu. Allez, mise maxi à 125, c'est parti. Donateur, c'est un jeu qui a pas mal de potentiel niveau win, mais bon, ça reste une machine à sous. Des fois, ça paye pas top. Alors, on a les barres de progression qui sont presque remplies. Alors, on va remplir celle-là. Allez, voile d'expansion. Multiplier x3. Alors cacahuète x3, ok. Alors déjà que je me rappelle quand même. Multiplier, free game, dit free game, si on a un symbole comme ça sur le rouleau 1 et un symbole comme ça sur le rouleau 2 et un symbole comme ça sur le rouleau 5, d'accord. Oh! Barre de progression qui reste remplie. Oh. Alors, oh. Alors, 600 balles. Fait pure trigger. D'abord, on a eu les trois symboles. Alors, espérons que ça rack. Mise maxi à 125. 8 free games. Allez, plus de free games. On va retrouver une balance à 5 chiffres, ça va pas être évident. En tout cas là il y a eu les free games, donc après ça c'est arrêt de partie. Allez, plus de free games. Donc pour le moment niveau win on n'est pas au top par rapport aux mises, mise à 125, win 925. Même pas un x10 par rapport à la mise. Free game 4, multiplicateur x4. Alors la dernière, multiplicateur x5. On n'a pas gratté de free game en plus. Eh ben non, 16 free game de jouer, 1190. Alors du coup 7838, j'avais commencé la partie à 8663. Alors que faire? Basculer sur un autre jeu ou rester sur celui-là? Telle est la question. Bon, je vais faire une tentative de rester sur celui-là vu que les free spins n'ont pas payé grand-chose. Alors joli, 1125. Ouais, des fois ce genre de jeu il file... Deux rounds de free spin quasiment d'affilée, mais bon, c'est pas tout le temps. Alors que je me remémore le symbole du milieu quand même. Ah ouais, d'accord, c'était celui-là. Alors, wild expansion, on n'a pas eu de wild.
Eh ouais, si les Free Spins auraient payé un joli montant, bah, j'aurais éventuellement changé de jeu, mais là, vu qu'ils n'ont pas payé grand-chose, je me dis, tiens, on va rester sur ce jeu. Alors, Big Win, Big Win, Big Win, on va voir de combien. Alors, 1825, 9068. Bon, apparemment, on a eu deux Big Win avec des montants supérieurs aux Free Spins. Hello? Alors, hello. Allez, Feature Triggered, c'est parti. J'espère qu'elle va être un peu plus généreuse que la précédente. En tout cas, là, après, c'est arrêt de partie direct. Deuxième round de Free Spin, donc on va voir. Allez, plus de Free Games. Multiplicateur, on passe au x2. Alors win pour le moment 275, donc on peut que espérer faire mieux. Alors 5 chiffres ou pas 5 chiffres à la fin des free spins, 5 free games de restante, multiplicateur x3. Ouais, bon, on pourra dire qu'on a encore frôlé la catastrophe. Les barres de progression, presque à moitié, 3 free games de restante. Alors x5 multiplicateur. Plus de free games, tant mieux. Ouais, une file des cacahuètes sur les derniers. Ok, 820 balles. Bah, franchement, 2 rounds de free spin, pas très payant par rapport aux mises. Et ouais, mise maxi à 125 balles, c'est même pas un x10. Par rapport à la mise, bon, on est remonté un petit peu. J'avais commencé à 8663. Actuellement 9438. Donc je vais basculer sur un autre jeu en espérant bien sûr pouvoir retrouver une balance à 5 chiffres. Mais ça va pas être évident. Ça va peut-être être l'effet inverse, c'est-à-dire le triple 0. Enfin, on va aller vérifier ça. Allez, go direction le jeu Fenghuang. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, pareil, mise maxi. Alors, spin à 100, allez, go. Alors, ce symbole-là sur le rouleau 1. Et celui-là. Celui-là sur le rouleau 5, d'accord. Petit rappel des règles, ça envoie les free games. Alors 8813. 8748. Et ouais, le problème avec des mises à 100, on peut se retrouver à 0 avant que le jeu file quelque chose, donc enfin on va voir. Total mystère. On va mettre les spins rapides. Alors, est-ce que celui-là va nous raquer les free spins assez rapidement? Alors, les scatters ils sont sortis, mais ils n'étaient pas placés au bon endroit. Alors, 6923. Est-ce que le grand gagnant ça va être le casino? Est-ce que l'administration du casino, quand vont regarder leurs statistiques, elle va encore se dire tiens, encore le pigeon qui est revenu? Enfin, on va voir, mais ça réduit 6658.
Ah, Feature Trigger, de Scatter Rouleau 1, Scatter Rouleau 5. Alors, espérons que ça rack, on va voir. Balance, 6143. Alors, les free games continuent jusqu'à ce que ce symbole ait celui-là. Soit barré du tableau. Donc, on en a un ici. Alors 895, tant mieux, on a un autre symbole apparu. Sinon les deux ils seraient barrés, ça aurait été la fin des free spins. Alors 1110 de win, faudrait quand même faire un petit peu mieux. Allez, te barre pas, ou faudrait qu'il en file un autre. D'accord, si ce bar, ça n'a pas d'autre, c'est la fin. Alors, fin des free games. D'accord, d'accord. 1310, pas énorme, à peine un peu plus qu'un fois 10 par rapport à la mise. Alors, que faire? Bah, du coup, je vais rester sur ce jeu, vu que les free spins n'ont pas payé grand-chose. Je vais faire la tentative pour gagner un deuxième round. On pourrait penser qu'avec des mises aussi élevées, les free spins ils pourraient payer énormément, mais apparemment c'est pas tout le temps le cas. Alors 595. Alors, dommage, dommage. Toi, t'aurais pu apparaître sur le rouleau 5, mais non. Allez, 5900. Eh ouais, pas de bol. Ce jeu, il a raqué les free spins, mais au niveau win, c'était pas énorme. Donc du coup pas d'arrêt de partie, pas encore. Alors, eh ben non, c'était l'inverse, fallait celui-là sur le rouleau 1. Enfin, c'était pas les bons scatters. Alors avec tout ça, un petit coup d'œil par là, 5007. Alors pareil, c'est pas les deux bons scatters. Alors, est-ce que c'est l'appel du zéro universel de ce côté-là au niveau de la balance? Ça, on va savoir ça dans quelques minutes. Alors 3788.
Je me dis effectivement qu'après le premier round de free spin, même s'il avait pas payé grand chose, j'aurais peut-être dû changer de machine à sous, mais bon. Ça aurait peut-être été pareil. Alors, est-ce qu'on va terminer à 0? Est-ce qu'on va faire une remontée? Alors 200 balles ici. Alors 525. Bon, toujours au-dessus de la barre des 3000, mais là c'est quand même un peu tendu. Eh ben Feature Triggered, il était temps. 2913 de restant. Alors on va voir ce que ça va raquer. Bon, en tout cas, après ça, c'est arrêt de partie direct. Allez, déconne pas, finis-moi un gros truc. Alors, 775. Bon, j'espère que ces cocos, ils vont pas se barrer, enfin qu'il va y en avoir d'autres qui vont se manifester. La prochaine spin, s'il se barre, si on n'a pas en plus, c'est la fin, c'est la fin. Et ben voilà, c'est la fin. 1225 balles de gagné, d'accord, pas énorme, hein, franchement, à peine un peu plus qu'un x10 par rapport à la mise. Bon, ben du coup, c'était opération défonçage, 4138,50 centimes. Bon, certes, la balance, elle est toujours supérieure au pot de départ sur ce casino qui était de 4000 balles, mais quand même... Il y a quelques jours en arrière, on était à 25 000 balles, donc après les super wins, c'était les super lose. Enfin, on va pas se plaindre, on aurait pu se faire torcher la totale, il reste quand même 4138, donc on verra sur de prochains jeux si on peut arriver à faire une remontée. Ça va pas être évident, mais si Madame Chance est au rendez-vous, on va peut-être peut-être y arriver, on verra ça. Bon, bah sur ce, fin de partie, pause neurone, pause cardiaque aussi, éventuellement je reprendrai les parties peut-être, je pense, demain ou après-demain, on verra ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi, je vous fais la bise à tous. Allez, ciao tout le monde, voilà, c'était quand même un petit peu tendu de chez tendu.